vite fait avant la vidéo pour vous montrer un serveur donc de ouf et Vanadier, voilà, Vanadier de V2, donc il ouvre le 2 septembre à 15h. Donc je sais que à cette date il y a mon serveur Kryptonia qui ouvre, mais je voulais juste vous le présenter ce serveur parce que, enfin je vous prends avant la vidéo hein, parce que ça n'a aucun rapport avec le titre, je vous prends juste 2 minutes avant la vidéo pour vous montrer quelques trucs. Donc déjà je vais vous montrer les events, donc les events déjà il y en a plein, c'est un serveur qu'on s'amuse de ouf parce qu'il y a beaucoup d'events, d'ailleurs je jouerai évidemment sur ce serveur en parallèle avec... Donc il y a pas mal d'events, donc surtout les 2 events, donc je vais d'abord vous montrer le dernier survivant, donc Last Survive ça s'appelle. Voilà, donc l'event Last Survive c'est tout simplement cet event là. Donc en gros ça c'est un endroit dans Warzone, donc vous voyez déjà c'est assez grand, assez stylé. Bah, les dates précisées ici, hein, donc. Et en gros à ces dates, en gros il y aura un message et en gros tous ceux qui sont dans cette zone, donc dans la zone rouge, donc voilà, donc il y a ça sur tous les côtés, hein, tous ceux qui sont dans cette zone, ils seront enfermés. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des murs qui apparaîtront ici et sur les 4 côtés et en gros vous pourrez pas sortir. Donc en gros ce qui va se passer c'est qu'il y aura juste une faction survivante dans cet endroit. Et donc ça veut dire quoi une faction survivante? Ça veut dire que plus personne peut sortir, donc le nombre de joueurs qui sera ici vont tous mourir sauf une faction. Donc cette faction justement bah, en gros c'est la seule qui pourra gagner. Quand l'event est lancé vous pouvez plus du tout sortir de là. Donc quand je dis plus du tout c'est que vous pouvez pas faire slash spawn, TP personne, pas d'underpearl. Et le but c'est de survivre tout simplement avec votre faction et à la fin vous gagnez tout simplement par personne une clé. Vous avez en gros, dès que vous avez tué tout le monde, vous avez une seule minute pour déplacer le stuff. Bah, parce que évidemment imaginez il y a au moins une vingtaine de joueurs et encore plus, donc plusieurs factions qui vont être ici. Donc quand ils seront ici vous aurez que vous deviez devrez tuer tout le monde et bah vous devrez tout simplement après ramasser tout le stuff. Donc vous aurez une minute pour faire ça avant que les murs disparaissent. Donc voilà, donc ensuite la purge, donc ça c'est le 2e event vraiment inédit de ce serveur. Donc je viens de demander à l'admin de le lancer pour moi parce que c'est un event très très particulier, j'adore vraiment. Et écoutez, choisissez votre style de jeu, attaquant ou défenseur, comme vous fassiez. Voilà, donc ça, si c'est pas ouf, ça, si c'est pas un truc de malade, c'est juste énorme. Donc voilà, là, voilà, donc là, il l'a arrêté volontairement. Mais voilà, donc là, vous l'entendez, hein, il y a une sonnerie et tout. Donc en gros, ça, c'est un event quoi. Évidemment, vous pouvez désactiver dans la musique, hein, mais voilà, c'est juste un truc pour prévenir un peu en plus du chat. Donc en gros, cet event, c'est quoi? Je vous explique, c'est un truc de malade. C'est dès qu'elle est lancée, donc il y a des dates évidemment qui sont ici, pareil. Donc dès que c'est lancé, en gros, vous avez les creepers. Donc comme vous l'avez vu dans mon inventaire, il y a 3 creepers qui sont apparus. Donc en gros, c'est 3 creepers pour aller piller parce que en gros, comme pendant la purge, tout simplement, en gros, la purge, il faut savoir qu'elle dure 1 heure. Donc, que pendant ces 1 heure-là, il y a seulement pendant ce temps-là que vous pourrez aller piller. Parce qu'en gros, après ce temps-là, tous les creepers de la map sont supprimés. Donc, voilà, c'est un petit peu, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, c'est un système pour que, parce que l'Obsi n'est pas pétable et du coup, c'est la seule chose avec quoi on peut piller. Donc, en gros, bah, dès qu'il y a la purge, en gros, c'est le moment où tout le monde va aller piller sur le serveur, vraiment. Donc, il faudra mettre des homes à la base que vous trouverez. Et puis, voilà. Donc, en gros, je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, c'est enfin même l'animation, je sais pas si vous avez entendu, il y a un mec qui parle et tout, enfin c'est l'admin hein, qui a enregistré sa voix, mais c'est juste énorme, moi j'adore et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ce serveur. C'est un truc de malade. Quand tournoi PVP c'est assez connu, mais en gros c'est un event qui est sur serveur, donc c'est automatisé, vous avez du stuff qui est give. Je sais qu'ils ont tout remodelé d'une faction, donc c'est juste énorme, il y a plein de trucs inédits. Je vous donne juste un exemple comme ça, et bah vous pouvez accéder des étages. Donc en gros pour ceux comprendront pas, en gros vous pouvez faire que un claim par exemple, si vous n'êtes pas beaucoup de claims vous pouvez faire qu'une base, donc une base un claim, et en gros vous pouvez accéder seulement les étages. Voilà, donc Y donc vous pouvez mettre la hauteur en gros de que vous voulez accéder la personne de votre faction ou même d'autres factions des alliés. Pour ça je vous laisse avec la vidéo, toutes les informations pour Vanadier sont en description, allez voir. Je vais évidemment jouer sur serveur, pas à l'ouverture parce que je serai sur Kryptonia, mais voilà, donc allez voir. Et puis sur ce moi je vous dis tchuss et bonne vidéo. Ok, vite fait je vous prends pour vous expliquer donc ce qui s'est passé donc pendant la vidéo, parce que je l'ai pas, j'ai pas parlé pour dire qu'est-ce que c'était le prank, mais en gros c'est un prank. Voilà, donc aujourd'hui on se trouve pour un prank sur Noctalia cette fois-ci. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que Binou il m'a mis des effets assez cheatés, genre par exemple il m'a mis effet force niveau 3, il m'a mis régène niveau 10, enfin en gros j'ai plein d'effets cheatés et du coup en gros je suis parti PVP et vous allez voir qu'il y en a un qui, en plus on était sur test avec lui, il y en a un qui a pas mal ragé. Voilà, c'est tout con, c'est une explication toute brève, mais voilà c'était juste pour vous expliquer pour que vous soyez pas totalement perdu. Et voilà, du coup je vous laisse tout de suite. Les Gauthier Master, c'est qui celui-là? Ya record là. Oui oui je record, attends. Vas-y, je viens avec toi tout petit bat, je viens t'aider. Mais pourquoi il y a que des youtubeurs qui me foutent très hard? Bino. Yeah, désolé. Tu me passes ton kit XP. Vas-y, je viens te dire. Non. Par contre, tu prends très cher mon casque, Bino. Ouais, les Durex sont buggés.
Mais j'ai envie de faire drop là, mais je peux pas, j'ai pas de level. Oh, tu me défonces. J'ai pas de XP. Allez, défonce-le tout, s'il bat. J'ai pas d'Arc Punch pour les suivre. Give lui un Arc Punch, Binou. Non, non, give. Vas-y, défonce-le. Ah la Wakbar. Il était piqué, lui. Starfully là. Allez, on le défonce. J'arrive pas à le taper, Starfully. Deviens, cheater. Yeah. Je me suis pris 3 coups, je suis mort. FF5 pour s'y battre. T'es sur ma tête, gros con. Matrix. Je viens de trap series, tu sais, bâtard. Ah, il y a une zone. Ah, mais ça va pas commencer. Oui. Mais c'est quoi le but, ça, je comprends pas. Défonce-le. Faut tuer le golem. Ouais. Je sais pas si tu vas réussir, hein, mais bon. Non, impossible. Ça sera. Et ça donne quoi? T'inquiète, tu le. Mais il est où? Ah, ok, il se retépé là, lui. Yosmon. Yeah! Quoi? EZ. Ah bah, je peux pas parler. Ah non, c'est Croqueforce. Non, mais il y a écrit le joueur Toustibat a remporté. Yes, ça spawn plein de spets de mais trucs. Non, pas. Attends. Mais ne fais rien. What, y'a un mec qui est mort. Mec, j'ai des P4. J'arrive plus par le P4 bleu. Je sais pas ce que c'est. Ah, oh, c'est bien. Y'a un mec qui a crash. Et j'ai tout récupéré. Toustibat des DOS en pleine vidéo. T'as vu ça pour gagner? Yes, moi c'est la force de Binou qui m'aide à tuer Gauthier. La force de Binou. Ah non, mais j'ai pas de force. Hein. Non, mais il bug l'autre con, en gros pute. Ouais. Bon, je vais faire slash TPI. Non. Slash spawn parce qu'il y a plus personne. Non, non, vas-y, il y a du monde là-bas. Alors, ils sont où? Moi, je les vois pas. What? C'est quoi ce largage? C'est trop beau. Oh, je peux te punch. Oh, mec, c'est trop bien fait. Fais ça, dès qu'il y a un mec qui bug, tu fais ça. Lui. Punch. Yeah, à l'attaque. Il a gagné quoi? Regarde-le. Il est où, youtubeur? Mec, c'est énorme. Mais non, il s'en va loin. Don, flèche, hit. Yeah. On peut under? Ah non, il s'est fail. Putain, mais il fout quand il est, reviens là. Arrête de bouger. Vas-y, continue tout droit. Oui. C'est bah, tu me TP sur le youtubeur? Non. Bah non, mec, en plus, ça va hyper vite. Vas-y. Moi j'ai fait un don à Toustibat d'un P4 PFA. Ok, elle a 80 mètres, allez. Where is... T'es sérieux? Putain, ils croient, ils sont kikou. Toustibat, si t'es fait un don de P4 PFA. Putain, comment je vais vite? Ya. Mec, je peux pas te mettre punch 3 là? Non. Ce serait un peu plus rapide. Bah, y'a une breaking 4 déjà, donc peut-être punch 3. Mec, il va où là? Starfully là. Enlève lui ses flèches de son inventaire. Je sais pas. Là tu. Par BVP. Putain, attends, lui il fait que de l'ETP, je vais essayer de le tuer. Il a un vape. Oh l'archi. L'archuma il a TP 2 personnes. Salut. 3 personnes. Ah, c'est lui. Casse-toi, Bino, ça me déconcentre s'il te plaît. Non. C'est pour. Faut encore que je puisse me punch. Non, mais aussi, attends, Rico, vous voulez faire du 4v1 là? C'est quoi ça? Bah, attends, deux secondes. Bah, c'est à fac à speed. Attends, Bino, tu te casses, tu me laisses. Allez, demain. Oh, il a fait trop Rico. Bon, le con. Bon, vas-y. Dégage, Bino, je casse. Allez, punch. Non, c'est du favo là, je suis désolé. Hein. Non, c'est mon arc punch, juste j'en ai pas sur moi, c'est Binou qui me l'a prêté. Oh, qui m'a. Bouge. Et de 1. Mais. Quarry, il va être P4, il va faire drop que des P4. Merde, j'ai broke mon casque. C'est ta folie là. What? Mais comment ça fait que tu mets aussi cher, fils de pute de merde? J'ai une PT5. Oh, les merde, il a mangé une PC, le connard. Mais tu prends R, what the fuck? Allez, il a pris un petit casque. Allez, hop. Ça tège. Mec, j'ai un flambeau de P4 sur moi. Quoi, Bignon? Il est dans le même stuff. En fait. Ouais. Oh, Rico PCM qui prend des combos. Non, oh, tu mets 4 coeurs par coup, par contre. What the fuck? Donc, tu bats TP, je peux l'avoir, hein, Bignon. Tu m'as fait 2 coups, je suis mort, mec. Ils vont prendre des combos. Du coup là j'essaie de jitter click à peu près et de PVP bien. Mais du coup ouais, hop, on va essayer de les tuer comme ça.
Donc là, ils sont, c'est toute la même faction. Hein. Les trois, c'est les trois youtubeurs, c'est la même faction. Par contre, j'ai pas Dark Punch du coup pour les suivre, c'est assez chiant. C'est juste qu'ils sont. Merde, j'ai Brock. Oh non. T'as dit... Gros fils de pute, viens Valux. Tu fais le mec parce que t'avais une, T10 ou je sais pas quoi. Aidez-moi, oui. Je veux pas me. Viens Valux. Non, non, mais j'ai pas Valux. Non, attends, attends, tu fais un peu le mec là. Ouais, bah j'étais EZ, toi et toute ta faction. Dans mon titre, ça va être je 3v1 EZ, un youtubeur. Écoute, écoute, et il m'insulte. Je sais pas que ça fout de exposer ou quoi. Oui, tu peux m'exposer, vas-y, je shit. Je sais, vidéo, moi je dirais que t'avais un stuff give. Oui, bah c'est la vérité alors. Regardez qui à cause de toi, gros fils. T'as pas m'aider. Quoi? Mec, je vais mourir. Putain, t'as grosse taronne. Oh, t'es au Congo, mec, je te rappelle. Tais-toi, tais-toi. Bah, j'ai rien à prouver, j'étais EZ. On a fait un 1v1 après, j'étais encore EZ, donc là c'est sûr et certain que je suis plus fort que toi, y'a pas à photo.